reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soupan. Ce que j'ai vu et que j'aimerais partager à vous m'a fait penser au monde à l'envers. Ouais, un monde vraiment hors du commun. Ici, nous allons voir des gens en conflit. Ouais, mais le problème, c'est que ceux qui devaient plutôt séparer les gens, ce sont eux qui sont en train de se battre. Là, on ne comprend plus. On ne sait même plus où Dieu est parti. Où est-ce qu'il est passé? Quoi? Parce qu'ici, nous allons voir des musulmans et des chrétiens en train de se chamailler d'une manière, non? Que c'est pas possible. Mais avant, je vais vous présenter cette situation où on voit une prostituée qui a donné service à quelqu'un qui refuse de lui donner son jet. En fait, son argent. Suivez-moi, regardez ça. Qui est-ce? Ça, c'est quoi son corps? Ça, c'est quoi son corps? Hein? Et tout se passe ici à l'écran. Regardez bien. Comme vous pouvez le voir, tout est mélangé ici. Ouais, c'est nyangami même, c'est pas blanc. Ah! On voit une femme ici. En fait, une fille et un homme en train de se chamailler. Elle dit qu'elle a besoin de son jet. On va voir ça tout de suite. Et de l'autre côté, on voit ici des musulmans contre des chrétiens. Ils sont dit tout simplement de lancer des pierres dans une église. Aïe, aïe, aïe. Que se passe-t-il? Je pense bien que ça ressemble plus à une école catholique. On verra ça tout de suite. Mais une chose est claire. Ça nous fait penser au monde à l'envers. Yes, ça c'est le monde à l'envers. Qui va séparer qui? Que va-t-il se passer? Et là, là, les païens qui étaient censés recevoir l'évangile, ce sont maintenant eux qui vont venir évangéliser les croyants. C'est bizarre. Maintenant, regardez ça. Tout a commencé ici. Regardez. Est-ce que vous voyez ça? Il a fini de faire la pub, il est content de lui donner son jet, il est fou. Il lui dit, tu vas voir ce que tu vas voir. C'est que tu n'as jamais vu, tu vas voir ça aujourd'hui. Les gens essaient de séparer. Mais apparemment, je ne vais pas réussir. Tu vois, c'est une prostituée, tu veux aussi de lui donner son argent. Ah! Pourquoi fatiguer à fond des gens maintenant là? Ah, parfois moi je ne comprends pas les gens. Tu vas voir la prostituée, tu n'as pas de jet et puis je viens la fatiguer. Ça c'est bizarre. Mais quand ça se passe dans une église où il y a la bagarre, qu'est-ce que ça devient? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Regardez très bien ça. Voyez-vous quelque chose? Regardez très bien à l'écran. Aïe aïe aïe. Il y a quelque chose de sérieux qui se passe ici. Regardez ça. Là-bas, on voit carrément un truc qui ressemble vraiment à une église. Hein. Vous voyez? Et apparemment, il y a eu un problème en cette église et les musulmans qui sont autour là. Et ça a créé un désordre terrible. Et ça se passe au Nigeria. Voilà. Le message de dire, oh, voici une attaque entre chrétiens et musulmans. Les musulmans, gens ici, sont en train de lancer des pierres dans l'église là-bas. Mais où sont passés les leaders religieux? Ça, c'est le monde à l'envers. Tu vas venir les séparer? Est-ce la police? N'est-ce pas les croyants qui évangélisent les gens? Mais que c'est pas ici. C'est vraiment que je n'ai pas passé.
Mais regardez. Waouh. Regardez les gens, ils commencent des cailloux, ils lancent ça partout. Dans une église, Est-ce que vous n'avez pas la crainte de Dieu? C'est même quoi? Là, la crainte de Dieu a disparu. Fin de la discussion. Qui? La crainte de Dieu a gagné tant. Les insultés se bagarrer, lancer des trucs n'importe où. Hein? Tchè. Regardez-vous, non? Comme vous voyez, ça continue, hein. Et la fille, regardez la fille. Oh, est-ce que vous avez vu la fille? Ah, elle n'est pas là. Regardez, elle est sur ce bavard. Ils sont chauds, hein. Et puis, ils deviennent de plus en plus nombreux. Regardez. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Regardez le nombre. Regardez le nombre. What? Ouais, c'était même avec les trucs sur la tête. Et regardez la fille. Elle est en train de crier. Elle essaie de calmer un peu, mais... Elle, si sa voix ne peut pas porter. Regardez ça. Ah. Voici pourquoi je vous ai dit que ça, c'est le monde à l'envers. C'est même le monde à l'envers même. Ouais, c'est même ça. C'est un truc hors du commun, ce qui se passe ici, là. Regardez. Que feriez-vous si ça arrivait chez vous? Que feriez-vous? Tu peux réagir en commentaire. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste de voir ces choses. Moi, c'est vraiment triste. Je suis triste de voir ces choses. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui peut pousser les gens à arriver jusqu'à ce niveau? C'est une chose que j'ai vue. Quelles que soient les explications que les gens vont donner, nous, on serait plus dessus quand même. Ou bien? Ah! C'est vraiment bizarre. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on dirait que c'est le monde à l'envers. Ouais, on dit que les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Waouh! Et c'est pas de la blague. C'est vraiment pas de la blague. Dans le premier cas où je vous ai montré la prostituée et cet homme, vous allez voir encore. Regardez, dans le premier cas où je vous ai montré la prostituée et cet homme-là, regardez. Ici, là, quoi, c'est une telle situation qui, normalement, doit venir séparer. En principe, c'est la police ou des gens qui peuvent le faire. Mais on compte généralement sur les croyants, les leaders religieux pour venir calmer ces gens, pour dire non, écoutez, il faut vous aimer les uns les autres, Dieu est bon, il faut vous aimer les uns les autres. Mais ici, là, c'est chaud, hein. C'est même plus chaud que chaud. Jay, regardez-vous même ici. Oui. Et les gens, maintenant, ce sont des gens qui ne vont pas à l'église, qui sont remplis de sagesse. Est-ce que vous voyez? Ceux qui ne vont pas à l'église, qui sont même là dehors, les gens les appellent même les soulards, les drogués. C'est maintenant les drogués, les soulards qu'on vient vous conseiller. Surtout qu'on vient vous conseiller, vous les leaders religieux. Vous les leaders religieux, ce sont maintenant les gens dehors. Les gens dehors, mais qui ne croient même pas en Dieu. Ceux-là même qui ne voient pas Dieu, là. Surtout qu'on vient vous conseiller maintenant. Ah! Tiens. Regardez. Le monsieur est là. Et le gars lui aussi, il refuse de le dire de la fille. Elle lui a dit, tu vas voir, si tu vas me donner mon âme, tu vas comprendre ce que tu vas comprendre. Et tu vois ça? Et les gens lui posent, et les gens posent la question, ça va. Ah! C'est qui le gars? Est-ce qu'il est du quartier? C'est le voisin. Tu n'es pas du quartier. Tu arrives chez elle et puis tu refuses de donner son jet. Alors, toi, tu arrives dans le quartier de quelqu'un sans être préparé. Tu ne checkes pas là-bas.
Comment c'est possible? Waouh. Que feriez-vous de cette situation? Allez-vous venir payer à la place de cet homme pour qu'elle puisse lui relâcher ou bien c'est même quoi? Chenon dit qu'elle est manie. Ça veut dire que par là, c'est pas bon. Ouais, par là, c'est pas bon. Ah! Regardez ça. Là, on dirait que les deux ne sont pas prêts de se séparer. Hein? Et voici un homme maintenant qui vient. Il dit, écoute, laisse tomber. Pardon, laisse tomber. Regardez même ce visage de la femme. Regarde le visage, regarde la main. Regarde la main du gars. Elle dit, écoute, si tu payes là, si tu me donnes l'argent là, c'est moi, je le laisse. C'est 10 000 francs. Waouh. Et le monde commence à venir. Elle a besoin de ses 10 000 francs. Au moins, vous comprenez. Vous êtes censé être, ne pas être croyant. Ouais, vous n'êtes pas des croyants, donc vous comprenez. Mais quand je passe à l'église et la mosquée, vraiment, ça devient vraiment bizarre. Quelle est manie, les gars. Par là, c'est pas bon. Laissez y faire. Laissez faire. La violence ne résout rien. Ça ne vous fait même pas évoluer un pays. Alors, réglons le problème tranquillement, on va aller de l'avant. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous donne rendez-vous la prochaine dessus en ce moment. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous abonnez à votre chaîne. Dans la description, se trouve un lien. Vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci à vous pour tout. Que Dieu bénisse et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti. Reborn. I don't sweat by.